Pour les fans, les ventes aux enchères sont parfois le meilleur moment pour acheter les objets de leurs célébrités préférées. Ils sont prêts à acquérir toutes sortes de choses, même de la nourriture touchée par des célébrités. En 2014, le prince William et sa femme Kate Middleton avaient vendu à 1000 euros une part du gâteau du prince George lors de son baptême. Ils ont récidivé en 2017 lorsqu'une part du gâteau de mariage du couple a été vendue aux enchères pour un prix estimé entre 861 et 290 euros. Britney Spears est une habituée de la vente aux enchères. En 2017, la star avait par exemple vendu une toile qu'elle avait elle-même peinte au prix de 10 000 $. Quelques années plus tôt, un chewing-gum de la chanteuse avait été récupéré après l'un de ses concerts à Toronto. Il a été vendu pour la somme de 14 000 $ sur eBay. Les effets de la star partent vraiment comme des petits pains. Michael Jackson, Elvis Presley, les kings aux enchères dans les années 80, Michael Jackson nous a tous fait danser avec sa chanson Thriller. Vous vous rappelez sûrement de la veste rouge iconique que portait le roi de la pop lors du clip? Eh bien, sachez qu'elle a été vendue pour 1,8 million de dollars lors d'une vente aux enchères privées en 2011. Une partie des recettes a cependant été donnée à une réserve pour animaux. Pour le King Elvis Presley, ce sont surtout ses effets personnels qui sont le plus vendus. Par exemple, en octobre 2009, une touffe de cheveux du chanteur qui lui aurait été rasée lors de son entrée dans l'armée, a été vendue à Chicago pour 12 000 $. Ou encore un de ses slips sales, qu'il aurait porté en concert en 1977, l'année de sa mort, a lui été mis en vente avec un prix de départ de 8 500 €. Malheureusement, le slip blanc n'a pas trouvé d'acquéreur lors de la vente. On peut comprendre pourquoi. Découvrez les enchères les plus folles dans notre diaporama.